3 10 à 20 minutes. Il est 26, mon live commence à 30. Et tu me rejoins à la maison. Ok, quand je suis prête. C'est une dinguerie totale. Mais ne prenez pas autre chose, prenez que ça. Ça pèse 15 kilos. Je vous ai... Mais on voit pas. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de me réveiller, enfin je me suis réveillée tout à l'heure. Il est 11h08, bon je me suis couchée très très tard hier soir. Mais je me suis réveillée quand même, j'ai mis un réveil et j'ai répondu à des mails dans mon lit. J'ai super froid, j'ai trop mal à la gorge, voilà, pour vous situer un petit peu. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de faire une vidéo où je mange tout et n'importe quoi, tout ce que j'ai envie, sans même me poser la question de je ne sais pas quoi, hein. C'est vraiment je mange tout ce que je veux. Il y a 2-3 trucs que j'ai vraiment envie de manger. Honnêtement, en temps normal je mange à peu près sainement, je m'autorise un truc pas très bon par jour, c'est à dire que ce soit pour goûter ou pour un repas. Si par exemple j'ai envie de manger un McDo, bah je vais manger sainement tout le reste de la journée. Si j'ai envie d'un goûter genre très très sucré, je vais manger sainement tout le reste de la journée. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Et aujourd'hui on va rien faire de sain du tout. Franchement j'ai trop envie de mal manger. Genre là ce matin déjà je ne fais pas de sport. Vraiment c'est une journée, on s'en fout. Franchement je pense qu'il y a une chose, c'est de manger mon McDo. Genre ce soir je sais ce que je mange. Mais normalement faut savoir un truc, c'est que je mange jamais mal le midi. Genre jamais de ma vie, mais vraiment jamais de ma vie. Je pense que la dernière fois que j'ai fait ça c'était il y a des années. Jamais je vais manger un McDo le midi. Genre c'est impossible. Si j'ai envie de mal manger c'est toujours le soir, parce que si je mange le midi, vous ne pouvez plus me parler de la journée. Je ne suis pas là, oubliez-moi. Je suis comme ça dans mon lit, je n'y arrive pas. En fait moi faut savoir que la nourriture, il suffit que ce soit un tout petit peu pas bien, c'est fini. J'ai plus de ventre, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une super journée. J'ai trop envie d'un McDo, donc je crois que ce midi je vais manger un McDo. J'ai trop envie de nuggets, moi vraiment. Mais alors je vais vous dire ce que c'est, mes fiches mignons. Vraiment j'adore les pâtes, genre les pâtes avec 3 tonnes de sauce et tout ça, c'est ma passion. J'adore les McDo, c'est trop bon, mais je préfère genre, quitte à manger un genre trop bon burger, je préfère genre Big Fernand. J'adore Big Fernand, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'adore les Pringles, genre les Pringles quand j'ai envie de mal manger, c'est Pringles. Pringles avant de manger, ça c'est mon délire. Les originaux, j'adore les cookies, vous savez que j'en mange tout le temps. Donc les cookies j'adore, en sucré aussi, ce que j'adore, les deux choses que j'aime trop trop trop, dont un truc que je mange jamais. Jamais, parce que c'est toujours des grosses boîtes et j'ai jamais envie de manger, enfin je sais que si j'en achète je vais manger toute la boîte, c'est les Ferrero Rocher. Mais ça, mais c'est toute ma vie vraiment, j'adore ça. Et aussi la glace Häagen-Dazs, ça c'est, je mange un pot de 400 grammes vraiment tout le temps, genre j'adore ça. Après manger, je mange ça dans mon lit et j'ai vu ma mère vie. J'adore trop de choses, les pâtes à carbonara, les pizzas, enfin bon, classique quoi. Mais vraiment mes trucs que j'aime manger comme ça, c'est les Pringles, les Ferrero Rocher, la glace, c'est vraiment mes petits trucs préférés. Et sinon les chips, j'adore les chips, vraiment j'adore ça. Bon, les Pringles c'est des chips, mais sinon les chips avec des petites vagues là, vous savez qui sont, je sais pas comment ça fait, ils sont bien salés, t'es obligé de boire 10 litres, ça c'est mes, ça j'adore. Mais bon, il n'y a pas assez de place dans cette journée pour manger autant de choses, enfin pas assez de repas, je pourrais pas tout manger. Mais on va voir, j'avoue que là il est 11h14, donc on va éviter de manger un énorme petit déj. Sinon mon McDo je vais le manger à 16h, ça n'aura plus aucun sens, parce que ce soir je vous dis pas ce qu'on mange, mais on mange un truc trop trop bon et c'est hardcore, donc il faut que j'ai de la place pour ce soir. Donc ce matin je me tâte, je sais pas quoi manger, j'avoue que j'ai trop envie de manger des cookies, mais là je suis en pyjama, j'ai froid, j'ai mal à la gorge, je suis pas douchée, j'ai rien fait, rien fait. Donc je vais pas sortir aller acheter des cookies à l'autre bout. Vous savez que j'aime trop Pierre et Team Cookie à Versailles, c'est trop trop bon. Mais là c'est trop loin, enfin c'est pas trop loin, mais enfin faut que je m'habille et tout, donc flemme. Je pense que je vais sûrement, en fait je sais pas de quoi j'ai envie, pourtant j'ai faim. Il faudrait trop que je vous montre mon frigo, je crois que je vais vous montrer mon frigo, vous allez craquer. Faut savoir qu'il est tout le temps comme ça. Bienvenue dans mon frigo. Voilà, il y a vraiment rien. S'il y a de l'alcool qui est là depuis des mois et des mois, c'est ce qui a pas été bu à mon anniversaire. Donc voilà. Dans tous les cas on va pas se cuisiner grand chose aujourd'hui. Bon du coup j'ai trop envie de céréales. Là je mangerais bien des petits céréales genre il y a des céréales dans un magasin bio. Alors vous allez dire oui mais c'est sain nanana, mais ils sont tellement sucrés. Genre et puis le but c'est de manger ce qu'on veut, pas forcément manger giga mal, parce que de toute manière on va manger mal tout le reste de la journée. Mais en vrai je pense que je vais aussi acheter des Ferrero Rocher. Donc je vais aller chercher les céréales, acheter du lait et acheter des Ferrero Rocher, et je vais manger ça. Super. Bon,
Du coup, on est d'accord pour dire que c'est un échec. J'ai quand même tout ce qu'il faut, mais je voulais vraiment ces céréales. Genre, ils sont incroyablement bons. Mais bon, ceux que j'ai pris sont quand même super bons. Donc j'ai hâte de manger ça. J'ai pris du lait d'amande. Et oh, mon lait préféré. J'ai pris des céréales, bien passant. Et j'ai pris des Ferrero Rocher. Là, je vais me jeter sur un Ferrero Rocher. Ça fait genre 150 ans. J'en ai pas mangé. Ça me manque. Oh, attendez, je me lave les mains. Corona. Ça me rappelle genre quand j'étais petite. Les Ferrero, toujours. Je sais pas, les boîtes et tout. Je les gardais pour mettre mes bijoux. Faut qu'il n'avait pas trop de sens. Oh, ça sent beau! Trop bon. Vous croyez que je devrais mettre des Ferrero Rocher dedans? C'est bon, mais les Ferrero Rocher c'est meilleur. Cette ville, ça coûte tellement cher. Le lait d'amande, les céréales, les Ferrero, j'en ai pour 15 euros. 15 euros! Je vais avoir tellement mal au ventre. Genre le chocolat à jeun. Ouais. J'ai mangé la moitié de la boîte et je peux vous dire que là, je vais manger encore un peu de céréales et après j'arrête parce que sinon, il y aura pas de McDo. D'ailleurs, le McDo qui est à côté de chez moi, il est fermé pour travaux. Donc j'espère que Uber Eats libre. Il y en a un autre mais il est beaucoup trop loin, on va y aller à pied. Franchement, normalement, je prends jamais de nuggets. Genre jamais de nuggets. Moi, je sais pas vous, dites-moi ce que vous prenez au McDo. Moi, je prends toujours soit un 280, soit un McWrap, poulet chèvre, non pas chèvre, pas poulet chèvre, chèvre tout court, ou poulet bacon. Mais c'est tout quoi, rien d'autre. Mais là, j'ai envie de nuggets. On se revoit quand je serai douchée, etc. Et que je serai prête à manger mon McDo. Sachez que là, il est 14h12 et que j'ai trop traîné, mais j'étais trop bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de rien faire. Genre, ça me... Enfin, rien faire, je filme quand même cette vidéo, mais je fais pas grand chose. Peut-être que je vais vous faire un live ce soir, vu que j'ai le temps, pour une fois. Je me suis pas encore habillée d'ailleurs, ni séché les cheveux, ça se voit. Mais du coup, je ne pense qu'à une seule chose, c'est de manger mon McDo, mes petits nuggets. Je vais peut-être prendre plein de trucs en plus, je sais pas. Parce que d'un côté, je sais que normalement les nuggets ça me suffit pas, mais en même temps là j'ai déjà tellement mal au ventre, et qu'on va, je vais tellement manger ce soir, et qu'il est déjà tellement tard, que faut pas non plus trop forcer quoi. Et vous savez pas quoi, je vous jure que c'est vrai, ça fait une semaine que je ne retrouve plus mon blush MAC. Vous savez, je l'utilise dans toutes mes vidéos, toutes mes vidéos. Je ne le retrouve plus. Et genre là, c'est un choc. Je vais mélanger mon Clarins et mon NYX. J'ai peur que comme ça va être sur Uber Eats, parce que franchement, je me suis jamais fait livrer un McDo bon sur Uber Eats. C'est toujours froid ou cassé en deux. Du coup, j'avoue que j'ai un peu peur d'être déçue si je prends un burger. Je pense que des nuggets, bah ça reste des nuggets. Au pire, ils seront froids. Mais genre un burger, il va être en... comme ça. En vrai, je peux prendre un croque McDo, c'est trop bon. Je pense que je vais commander maintenant. Je vais me changer aussi, franchement. Faudrait que je m'habille, mais j'ai pas envie. Je pense que je vais remettre un pyjama, mais le rose. Bref, qu'est-ce que je commande? C'est quoi ça, McBaguette? Je connais pas. Désolée. Je mange jamais McDo, désolée. Non, mais en vrai, la dernière fois que j'ai mangé un McDo, c'était le soir du confinement, je crois. Ou je sais plus, mais avec Jérémy, on s'était dit, vas-y, c'est bon, on s'en fout. Ouais. On est confinés de toute façon, donc. McWrap, poulet bacon, bof. En vrai, 9 nuggets, c'est cher, hein. On va partir là-dessus, je pense. En menu maxi best-of. Sauce, dites-moi alors ça. J'aimerais trop savoir parce que j'ai l'impression que personne n'aime ma sauce. Je sais pas. Moi, je prends toujours une creamy deluxe. Moi, je vois pas ce que je peux manger d'autre. Si je prends un croque McDo, c'est 2,95€ de plus. Je pense que je vais prendre un croque McDo. Ça me fait 13,55€. Je prendrais bien du ketchup en plus. Prenons du ketchup. 10 centimes de plus, on est plus à ça près. 9 chicken McNuggets avec une sauce deluxe, ketchup, frites, eau. Parce que je... Désolée, mais j'aime trop l'eau. Quoi? Mais pas du tout. 13,65€, c'est juste le prix de la commande. Il y a 1,37€ de service et 1,99€ de livraison. Donc j'en ai pour 17. C'est vraiment des malades. Mais bon, on n'a qu'une seule vie. 10 à 20 minutes. Allons nous sécher les cheveux avant que le livreur arrive. Ah, il
il est là. Il m'a envoyé, je suis là, j'arrive. Voyons voir. Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est pas froid? À 17 euros, j'espère qu'il est pas froid. Mmh. Il est pas trop froid, ça va. Vous avez gagné un cookie ou un brownie? Ok, bon, des trucs de merde après. Mmh, c'est bon. Quel plaisir! Mon dernier bout, après il reste plus rien. C'est les dernières minutes de mon existence, après ça, je suis morte. J'ai tout mangé, mais alors tout. Là voilà, j'aimerais qu'on me laisse mourir dans mon canapé. Le programme, c'est de mourir un peu dans mon canapé. Je ne sais pas si je vais goûter, parce que là il est un peu tard. Et franchement, si je goûte ce soir, je ne mangerai pas. Donc voilà, on va sûrement se retrouver ce soir. Je vous vlog ma préparation de live. Il est 26, mon live commence à 30. Je suis à la bourre. Alors, je mets un petit truc. Il faut mettre le téléphone. Comme ça, on range uniquement ce qu'on voit à la caméra. Une bouteille d'eau. On fait le lit. Avec la lumière, ok les gars, je vous écoute. Mais les gnocchis, je suis pas sûre que ce soit ça le meilleur truc. Non. Attends, je vais te dire, je cherche là. Ouais, attends. Bah, c'est marmite de fettuccine étouffée au jambon Saint-Daniel. Non, je crois pas. Attends, je vais regarder parce que je retrouve pas la photo en fait. C'est gnocchi frais, gambas aux herbes et jambon Saint-Daniel. Bah, alors c'est les gnocchis, mon chat. Je sais plus. Notre œuf d'Italie. Non. Les ciboulettes. C'était pas ça. Ah, attends, je sais, je l'ai noté. Ha! Gnocchi frais, gambas aux herbes et jambon Saint-Daniel, c'est ça. Attends, ok, bah je crois ça aussi. Je viens avec toi? Comme tu veux, oui, c'était chaud pour venir, viens. Ok, bah il faut juste que je m'habille, j'ai un peu la flemme. Ok, bah. Attends. Il fait froid? Je sais pas, je suis pas sorti. Non plus. 11 degrés, oula. Oula. Et tu me rejoins à la maison. Ok, quand je suis prête. Ouais, à tout de suite. À toutes. Nous mangeons italien. Alors je vous explique parce que là on va y aller. Je vais l'accompagner, c'était pas prévu, mais je vais l'accompagner parce que je suis pas sortie, j'ai besoin d'air. En gros c'est un italien qui est dans le 16ème. Je vous conseille de ouf d'y aller. Ça s'appelle Il Farniente. L'adresse c'est 44 rue des Perchamps. Et je vous conseille, alors c'est à dire que c'est un italien, mais c'est des pâtes. Vous savez tous les restaurants italiens où on a l'habitude de manger, on connaît tous ces restos italiens avec des pizzas, des pâtes. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'est à dire que c'est des pâtes de ma vie entière. Pourtant j'adore manger italien, j'adore ça. Mais c'est des pâtes, genre c'est déjà c'est un vrai italien, mais c'est des sauces, des mélanges de crème, de trucs, ça n'existe pas. C'est à dire que c'est vraiment du vrai de vrai, c'est incroyable. Et donc moi je vous conseille, j'ai une petite note avec tous les restos de Paris, avec les plats à prendre et tout ce que j'aime. Et mon plat préféré là-bas, c'est les gnocchi frais, gambas aux herbes et jambon Saint-Daniel. C'est une dinguerie totale, mais ne prenez pas autre chose, prenez que ça. Donc voilà, j'ai trop hâte et c'est super copieux, genre c'est énormissime, c'est énorme. Genre c'est énormissime et c'est extrêmement bon. You've seen all.
all the places. I hope it means that you come home to me once you travel the world, all the spaces. Je pensais que c'était un seul truc. En fait, c'en est deux. C'est quoi? Il y en a deux comme ça. Et bah. Mais c'est énorme. Vas-y, prends-le, prends-le. Mais à chaque fois qu'on en prenait. Tu te souviens quand. Oh, ça pèse 15 kilos. Oh, c'est la mer. Cette odeur, elle m'a trop manqué. Pourquoi tu verses pas tout? Bah, parce que peut-être tu veux pas tout d'un coup, tu vois. Ah, moi je veux tout d'un coup. T'es sûr? Ah, moi je suis sûr. Avec toute la sauce, toute la sauce. Moi je vais tremper jusqu'au de la dernière goutte. Vas-y, let's go. Mmh, miam, miam. T'es sûr de ton coup? Mais de la sauce. En revanche, depuis quand c'est. Avant c'était pas comme ça. Pourquoi? Avant elles étaient pas entières. Si, je pense. Non. Ah ouais? Non. Vite, ça va être froid! Ouais. Mmh. On mange par terre ou sur le canapé? Où tu veux. Je mange par terre. Ah, mais j'ai la trace du casque! Non. Si, dépêche-toi! Vas-y, commence, tranquille. Ouais. Vas-y, on s'en va les cul. T'es sûr? Ouais, ouais. Ok. Me le dis pas de froid. Mmh, c'est vraiment trop bon. Mais c'est pas très chaud, hein. Qu'est-ce que tu racontes, c'est vraiment intime. Sérieuse? Je te dis que c'est pas très chaud. Ah ouais? Je te jure. Tu veux mettre une bande? Ouais, de ouf. Mais non. Ouais. Je vous ai... Dans deux abonnés, j'ai 40 000. Dans votre mariage, j'ai un witness. Internet says you should never, ever, ever have gotten together. On a tout mangé comme des couches. Et c'était très bon. Mais trop salé. Enfin, c'est pas trop salé, mais c'est très salé. Et je viens de dépasser les 40 000. Tu veux donc tu regardes la vidéo? Mais on voit pas, t'es idiot. 40 000 abonnés sur Instagram, sur YouTube. Voilà. Regarde. Ouais. Wouah! De voir, montre. Le cœur il est un peu dégueulasse. Mais il est dégueulasse, mais je veux mettre un truc qui bouge. Mmh. T'es heureux? Très. On va voir. Non, regarde. Hop! Tu peux manger comme un porc en paix. Ouais, je t'avoue là. Je suis... Là, il m'a pris, il m'a boxé le. Boxé le cul. Je suis pas super fan de tiramisu. Ouais, il sent tellement de café. Oh. Mais c'est trop bon. Il est incroyable, infaillible. Starf. Je suis pas giga fan de tiramisu. Bah pourquoi tu m'as dit que t'as un problème? Même qu'aujourd'hui je mange n'importe quoi. Non, c'est bon, mais c'est café quoi. T'aimes pas? J'aime pas le café. Sérieuse? Bah ouais. Bah pourquoi tu prends un tiramisu? Bah je sais pas, j'en ai mangé peut-être un dans ma vie. Et t'es sérieuse? Ouais. Wow. Batterie. Comment est-ce que j'ai pas de vidéo? Je trouve qu'il y a un trou dans la fenêtre. Je viens de rentrer. Quelle heure il est? Je suis restée longtemps, il est 23h23. Je suis très fatiguée, j'ai beaucoup trop mangé, mais beaucoup trop. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir envie de manger des Ferrero Rocher. Donc du coup voilà, ma journée est terminée. Écoutez, on va s'arrêter de manger. Hein, pour aujourd'hui je pense que ça ira. En tout cas moi je serais ravie de vous faire ça un peu plus souvent. Comme ça je peux me permettre des petites journées où je mange tout ce que je veux. Ça me ferait plaisir, c'est un bon prétexte. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez manger quand vraiment vous en avez rien à faire, qu'on s'en fiche, genre là tout de suite maintenant, si vous pouviez manger quelque chose sans que ça n'ait aucune répercussion, qu'est-ce que vous allez manger? Dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour suivre un petit peu plus mes journées et les actualités sur ma chaîne. Et sur ma chaîne on a deux vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche, donc n'hésitez pas à vous abonner également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. J'ai plus faim moi.